إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui, بإذن الله, on entame le troisième cours dans l'explication du livre intitulé Al-Qawa'id al-Sa'diyya ou Al-Qawa'id wal-Usul al-Jami'a. الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. Donc pour le troisième cours, on va commencer la troisième règle, inshallah, qui est donc Al-Qa'idatu Thalitha du livre. Cette règle-là, elle s'intitule Al-Mashaqqatu Tajlibu At-Taysir. Al-Mashaqqatu Tajlibu At-Taysir. Donc c'est la règle qui va être étudiée aujourd'hui, qui est la troisième règle du livre de Cheikh Sa'di, rahmatullah alayh. Et donc une règle qui est très très importante et qui fait partie même des grandes règles de la jurisprudence. Min al-qawa'id al-fiqhiyya al-kubra. Et dessous cette règle, il y a plusieurs sous-règles qui s'introduisent. Et on l'a vu la dernière fois. La force d'une règle, quwwatuha, elle apparaît lorsque dessous cette règle, il y a la subdivision de beaucoup de règles, de plusieurs règles. Bien entendu, le shir ici, il ne va pas traiter de toutes ces règles, mais beaucoup de ces règles qui vont être tirées de cette grande règle, elles vont être reprises dans le livre. Sinon, si on regarde les livres qui ont été écrits fil qawaid al-fiqh, dans les règles de la jurisprudence, on va s'apercevoir donc que les savants al-usuliyun, ils ont détaillé cela et ils ont fait donc rentrer beaucoup qui rentrent dans cette règle générale et qui s'intitule donc, qui a pour titre al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Ici deux mots qui sont importants et que l'on va expliquer. Le premier terme c'est al-mashaqqa. Al-mashaqqatu. Al-mashaqqa qui est un masdar du verbe shaqqa. Du verbe shaqqa. Et al-mashaqqa, c'est bien entendu un singulier. Son pluriel c'est mashaq ou mashaqqat. Ce terme veut tout simplement dire al-usr. Al-usr. Dans la langue arabe, tout le monde sait ce que veut dire al-usr, qui est la difficulté. Que l'on va traduire par la difficulté. Donc une chose, lorsqu'elle est dure à faire, à accomplir, on appelle ça mashaqqa. Ça, c'est pour le premier terme. Tajlibu at-taysir. Le deuxième terme important ici, c'est at-taysir. At-taysir, en langue arabe, ça veut dire as-suhula. As-suhula. C'est tout simplement donc le contraire ici. C'est-à-dire la facilité. C'est la facilité. Et comme on va comprendre le terme, donc al-mashaqqatu Tajlibu at-taysir, tajlib, c'est-à-dire qu'elle va engendrer la difficulté, bien entendu, dans la religion, va engendrer la facilité. Yani al-mashaqqa tusbihu sababan lit-tashil. Donc, la difficulté, elle va devenir une cause pour la facilité. C'est-à-dire pour la pratique de la facilité. Ou la pratique qui va être faite avec facilité. Donc ça c'est ma'na, le sens de cette règle-là, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté engendre la facilité. La difficulté engendre la facilité. Le shir, rahmatullah alayh, dans son livre, il va nous rapporter des règles, ou arfouan, il va nous rapporter des preuves. Car les règles, comme on a vu, elles sont basées sur des preuves. On a vu soit
c'est des règles qui sont prises directement de An-Nas, c'est-à-dire du texte même, que ce soit du Coran ou de la Sunna, comme on a cité les exemples la dernière fois, ou alors, on a dit également, des règles qui sont prises des textes, mais qui sont, on va dire, remaniées au niveau de du tarbir, c'est-à-dire de la mise en forme de la règle, pour qu'elle englobe tout ce qui est cité dans la sharia, tout ce qui est cité dans la législation. Et c'est le cas ici, pour ce qui est de cette règle, al-mashaqqatu tajlibu taysir. Le cheikh va commencer d'abord par les preuves du Qur'an. Et le premier verset, qui fait surat al-Baqara, qui est le verset 185, où Allah azzawajal yaqul, yuridu Allahu bikum al-yusr, wa la yuridu bikum al-usr. Donc on voit ici deux termes qui vont être pris dans ce verset du Qur'an, al-yusr et al-usr. Donc al-yusr bil-ya, wa al-usr bil-ayn. Et le reste, c'est la même prononciation, al-yusr wa al-usr. Yuridu Allahu bikum al-yusr. Yuridu Allahu bikum al-yusr. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla veut pour vous la facilité. Allah Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, de par cette religion, et comme elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué, et comme il nous l'a enseigné, cette religion donc, elle repose sur la facilité. Et Allah Azza wa Jalla a voulu, de par cette religion, la facilité. Et la preuve, c'est le verset du Coran. Celui-là, yuridu Allahu bikum al-yusra, il veut pour vous la facilité. Wala yuridu bikum al-usr. Et bien au contraire, donc, il ne veut pas la difficulté pour vous. C'est pour cela donc, que lorsque la difficulté elle va intervenir dans la religion, on aura l'occasion de voir al-mashaqqa, c'est-à-dire anwa' al-mashaqqa, les catégories de la difficulté, pour savoir ce qui rentre réellement dans la difficulté. Lorsque la difficulté elle apparaît en religion, alors automatiquement va apparaître des permissions, va apparaître ce qui va faciliter, rendre facile ce qui au départ était difficile. Et donc, la preuve elle repose bien, ou elle revient bien à ce verset, ou la preuve en est bien ce verset du Coran, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Le deuxième verset qui nous a cité le shir, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, qui est également fait surat al-Baqara, qui est le verset 286. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Également ici, lorsqu'il va avoir difficulté, automatiquement, il va avoir l'intervention de la facilité. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla va nous décharger de ce qui serait supérieur à notre capacité et donc qui engendrerait une grande difficulté. Et c'est également cette preuve qui est claire. Une preuve de cette règle-là. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. De même, le troisième verset qui nous cite le shir, qui fait surat At-Talaq et qui est le verset 7. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné, donc suivant également ici la capacité de la personne, ce qu'Allah azza wa jalla lui a donné comme capacité. Et bien entendu ici ça diffère suivant les gens. Également un autre verset encore qui est des plus clairs, qui fait surat al-Hajj, qui est le verset 78, où Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Également ici, où Allah azza wa jalla dans cette parole nous prouve donc la validité de cette règle qu'ont cité les savants. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Al-Haraj, qui est la gêne, qui est également ici donc la présence de la difficulté, al-haraj. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, de par cette religion à elle-même, on va donner des exemples sur ça, de par cette religion à elle-même, elle est édifiée, bâtie sur la facilité. Ensuite le dernier verset que le shir a cité, fattaqullaha mastata'tum, qui fait surat Taghabun et qui est le verset 16.
فاتقوا الله ما استطعتم. Craignez Allah Azzawajal comme vous le pouvez, suivant votre capacité. Également, donc, un verset qui est plus clair. C'est pour ça qu'il dit le shir, فهذه الآية وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. دليل على هذا الأصل الكبير. Également, lorsqu'on regarde la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on regarde les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on s'aperçoit que cette règle est bien présente. Qu'elle est bien présente dans le fond. Et à titre d'exemple, les hadiths suivants. Ce premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, et qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, ta'liqan, yani mu'allaq, wa wasalahu fi adab al-mufrad. Et c'est un hadith qui était rendu hasan, acceptable, par Ibn Hajar, également par l'imam al-Albani, rahmatullah al-jami'a. Ibn Abbas nous rapporte ce hadith et nous dit, souila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a posé une question. Et elle lui a dit, أي الأديان أحب إلى الله عز وجل. C'est-à-dire, quelle est la religion la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu par cette réponse. فقال الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة. Qu'est-ce que veut dire ces deux termes? Donc il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu donc en désignant par deux caractéristiques cette religion de l'islam, par le premier terme qui est Al-Hanifiyya et le deuxième terme qui est Al-Samha. Al-Hanifiyya, un terme qu'on a déjà vu miraran, beaucoup de fois, plusieurs fois, lorsqu'on a étudié le Tawhid et toutes les questions du Tawhid. Al-Hanifiyya, c'est donc la religion qui est basée sur le Tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité de l'adoration, l'unicité de la seigneurie, l'unicité des noms et des attributs. Al-Hanifiyya. Et donc, c'est une religion qui est loin de toute forme de polythéisme, qui n'a aucun penchant vers le polythéisme, petit ou grand, mineur ou majeur. Mais c'est une religion qui est de l'ordre du monothéisme pur. Pur. Al-Hanifiyya. Ça, c'est le premier terme employé par le prophète Saint pour désigner cette religion, celle qui est la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, qui est donc caractérisé ici par cet adjectif, al-hanifiyya. Et le deuxième terme qu'il a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-samha. As-samha. As-samha, yani fil amal. C'est-à-dire ici, on va retrouver la règle ici, car on est bien en train de rapporter des preuves pour ce qui est de cette règle. On est en train de retrouver la règle dans ce terme qu'a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-samha. Yani fil amal. Tout simplement, une religion donc qui est basée sur la facilité. Fil ahkam wal a'mal, dans les lois et dans les actes. Et si maintenant on prend des exemples pour prouver que cette religion elle est bel et bien bâtie sur la facilité, et qu'il n'y a rien qui est de l'ordre de la dureté, de la difficulté. Si on regarde maintenant les cinq prières, on regarde la prière. Les prières qui sont obligatoires, elles sont au nombre de cinq dans le temps. Les prières qui sont obligatoires, elles sont de cinq. Sachant donc, la parole qui est la plus forte, al-witr, ce n'est pas une prière obligatoire. Également, sunnat al-fajr, ce qu'on appelle le fajr, ou les deux rak'a qu'on a fait avant la prière du sobh, également, ça ne rentre pas dans l'obligation. Mais il reste donc les cinq prières obligatoires. Il reste donc uniquement cinq prières obligatoires. Si on regarde les prières et le temps qu'on doit y passer dans une journée elle est faite de combien de 24 heures? Si maintenant, en incluant l'obo, c'est-à-dire les ablutions, la purification que l'on doit accomplir, mener à bien afin de prier dans les règles, comme il se doit. Si on donne 20 minutes
25 minutes maximum pour tout, de façon générale, pour une prière qui est mu'tadil, pour une prière moyenne. Si on multiplie ça par 5, ça nous fait 120 minutes, donc 2 heures. 2 heures sur 24 heures, c'est combien? C'est à peine un douzième. C'est donc à peine un douzième. Donc regardez, ici, pour ce qui est du temps minime que l'on passe dans la prière, sur toute une journée complète, sur 24 heures. Ça, c'est une facilité. Également, comme on va le voir plus loin, lorsque la personne elle est malade, lorsqu'elle est en voyage, il y a encore des règles qui viennent s'ajouter à cette facilité, qui viennent encore plus faciliter, comme le fait de réduire le nombre de raka'at, comme le fait également de pouvoir prier assis, alors que l'obligation, bien entendu, c'est d'être debout, etc. Si on regarde zakat, si on regarde l'impôt rituel une seule fois sur une année, sur l'argent que l'on fait en économie, principalement, et qui est d'un taux des plus bas, 2,5%. Regardez donc ce que ça représente, 2,5%, par rapport à l'argent qu'Allah Azzawajal a octroyé à son abd. Et encore la zakat, bien entendu, lorsque la personne est là, elle a atteint un minimum pour ce qui est de l'hajj, une seule fois dans fil umr. Une seule fois fil umr dans la vie de l'homme, une seule fois. Allah Azzawajal nous l'a rendu obligatoire une seule fois dans toute la vie d'un homme. Mais encore, si la personne a la possibilité financière, matérielle, et si également elle est en bonne santé, c'est-à-dire son corps qui lui permet de faire ce voyage et d'accomplir le hajj. Si on regarde également à siyam, si on regarde le jeûne de même une seule fois sur une année, c'est-à-dire un seul mois sur 12 mois, encore un douzième. Un seul mois sur 12 mois. Donc le jeûne également, qui est muyassar, qui est donc facilité de par sa durée, qui est restreinte sur une année complète. Donc tout ça, ça nous provient que cette religion, fi'alan, kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kama wasafa annahu hadha ad-din annahu samha. Également, encore une autre preuve, un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad wa Tabarani, qui a plusieurs asanid, plusieurs donc chaînes de transmission. Parmi ceux qui l'ont rapporté, Imran ibn Hussein, Anas et d'autres encore. Et qui est un hadith authentifié par Shir al-Albani et d'autres. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul, inna khayra dinikum aysaruhu. Le meilleur de votre religion, c'est ce qui est le plus simple. C'est ce qui est le plus simple, c'est le plus simple. Inna khayra dinikum aysaruhu. Également, ça c'est une preuve qui est claire de la sunna. Également un autre hadith rapporté lui par l'imam al-Bukhari dans son authentique, min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala an, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, inna ad-dina yusuf, inna ad-dina yusuf, cette religion elle est facilitée, wa la yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, c'est-à-dire que personne ne fera preuve de dureté dans la religion, qui pratiquera une religion avec dureté sans que cette religion même elle prendra le dessus sur lui. Il la ralaba. Inam. Si l'homme pratique cette religion avec dureté, un jour ou l'autre elle prendra le dessus sur lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il dit dans la suite de ce hadith, de sa parole sallallahu alayhi wa sallam, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Fasaddidu, c'est-à-dire elzimu sadat, c'est-à-dire soyez toujours sur la vérité, sur ce qu'on appelle as-sawab, as-sadat qui est as-sawab, soyez donc sur la vérité, sur le droit chemin, sur ce qui est droit, c'est-à-dire le juste milieu, min ghayri ifratin wa la tafrit, sans extrémisme et sans laxisme, wa qaribu, c'est-à-dire rapprochez-vous de quoi? De ce qui est le plus parfait. Si vous n'avez pas la capacité de faire les actes de la manière la plus parfaite, bima wal akmal, alors fa'malu bima yuqarribu minhu, c'est-à-dire faites et appliquez ce qui va se rapprocher de cette perfection. Si vous n'avez pas la capacité d'atteindre cette perfection, alors essayez de vous rapprocher d'elle,
فسددوا وقاربوا وأبشروا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait ici un tabshir, il nous fait la bonne annonce des gens, même s'ils n'ont pas atteint la perfection, même s'ils n'ont pas eu ce niveau. وَأَبْشِرُوا, c'est-à-dire ici بِالثَّوَاب, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait la bonne annonce ici بِالْعَمَلْ الدَّائِم, avec l'acte qui est continu, constant, مُسْتَمِر, دَائِم, وَإِنْ قَلَّ, et même s'il est peu. Et Allah Azza wa Jal, l'acte qu'il aime le plus, c'est celui qui est constant. Celui dont la personne, elle fait tout le temps. Même s'il est peu. Même s'il nous représente peu. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالْرَوْحَ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَ. C'est-à-dire donc, وَاسْتَعِينُوا, aidez-vous, aidez-vous-même, à la مُدَاوَمَةِ الْعِبَادَ, c'est-à-dire sur la constance de l'adoration. Pour la constance de l'adoration, بإقاعها في الأوقات المنشطة, c'est-à-dire de pratiquer donc cette adoration au moment des temps où la personne elle va trouver nashat, où elle va trouver donc motivation, où elle va trouver un nashat pour son corps, c'est-à-dire là où c'est plus facile pour elle qu'elle pratique ses adorations dans un temps. Et parmi ce qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, بالغدوة, الغدوة qui est أول النهار, le début de la journée, donc le matin qui est le début de la journée, et ensuite Rawha qui est Ba'd al-Zawal, c'est-à-dire après que le soleil se décline, Ba'd al-Zawal. Et ensuite il dit le prophète sallam wa shay'in min ad-dulja, wa shay'in min ad-dulja, wa shay'in min ad-dulja, min ina huna at-tab'id, c'est-à-dire également qadr, c'est-à-dire une partie ou alors une chose min ad-dulja. Ad-dulja, c'est akhir al-layl, c'est-à-dire la dernière partie de la nuit. Et bien entendu, lorsqu'on voit ici min ad-dulja, parmi donc, parmi, c'est-à-dire c'est, ce n'est pas toute la nuit, mais c'est une partie de la nuit. Donc la personne également fi akhir al-layl, là où après qu'elle a dormi ou elle s'est reposée, au moment où elle se réveille, nashit, elle se réveille donc en bonne forme, elle pratique également l'ibada. Donc la personne, comme le prophète sallam l'indique ici, pour se faciliter dans l'accomplissement de l'adoration, alors il pratique les adorations qu'il fait durant ce temps-là, ou durant ces temps-là. À l'exemple donc des trois temps qu'il nous a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite, ici à titre donc de faïda, pour compléter le sujet et pour encore mieux comprendre cette règle, on va donner ce qu'ont rappelé les savants fi al-tarfif, ou alors d'autres qui l'appellent rukhas, rukhas qui est le pluriel de rukhsa, c'est-à-dire ce qui, lorsqu'on dit tarfif, donc tarfif, le fait d'alléger, c'est le fait d'alléger. Rukhsa, c'est le fait donc de permettre, donc de rendre une chose à la base qui n'est pas permise dans tous les cas, mais qui peut être permise donc au moment où il va y avoir la présence d'une masharqa, d'une difficulté, usr. أنواع التخفيف أو أنواع الرخاص sont de 7 comme l'ont rappelé les savants. La première c'est تخفيف القصر. تخفيف القصر. C'est donc l'allègement qui est de l'ordre de la diminution. Donc القصر qui est de l'ordre de la diminution. À titre d'exemple, القصر للمسافر. On sait que la personne lorsqu'elle est en voyage, et donc on sait que ce voyage, قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ, c'est une partie donc de العذاب ici بِمَعْنَى الْمَشَقَّةَ طَبْعًا, c'est une partie donc de la difficulté lorsque la personne elle est en voyage. Et donc ici on a un tarfif qui est de l'ordre donc de la diminution et qui est le القصر, c'est-à-dire donc que la personne au lieu de prier pour à l'exemple du dhuhr, au lieu de prier 4 rak'a, elle en prie uniquement 2. Et pour prier Al-Asr, de même, elle prie de raka au lieu de prier 4 unités de prière. De même pour ce qui est de Al-Isha. Ça, c'est min anwa' al-tarfif. La deuxième, c'est ce qu'on appelle tarfif ibdal. Tarfif ibdal. Al-ibdal, qui est de l'ordre donc du remplacement. Donc, un allègement qui est de l'ordre du remplacement. À titre d'exemple, si la personne يشق عليه الغسل أو الوضوء
c'est-à-dire si, pour une raison de maladie ou autre, il lui est très dur, ou alors qu'il n'y a pas d'eau, etc., il lui est très dur donc, elle a une difficulté pour accomplir soit le rousse, ou alors elle a l'eau, alors il lui est permis de ce qu'on appelle le tayammum. Ici, ibdal, il y a eu donc un remplacement. Minanwar al-tarfif, qui est présent dans la religion. La troisième, c'est tarfif tarhir. Tarfif ou tarhir. Donc, tarhir, qui est donc ici l'allègement de l'ordre du changement. À titre d'exemple, salat al-khawf. Al-hay'a, ici donc l'apparence de la prière, elle va changer. On a ici tarhir. Pourquoi? Lorsque le musulman est en guerre sainte, par exemple, qu'il combat l'ennemi, à ce moment-là, il lui est permis donc de changer l'apparence de la prière pour ce qui est de rukou, pour ce qui est de soujoud, etc. et de la façon dont elle va être accomplie. Donc ici, on est bien ici fit tarhir. Ça, c'est un exemple qu'on a donné. Donc tarfif tarhir. Le quatrième, c'est tarfif isqat. Tarfif isqat. C'est ici donc l'annulation de l'acte. Donc l'allègement qui est de l'ordre de l'annulation de l'acte, isqat. À titre d'exemple, comme le hajj, le pèlerinage, pour la personne qui n'a pas la possibilité de pas physiquement, financièrement, ou alors une personne qui est malade et une maladie dont on n'espère pas la guérison, cette personne-là, le hajj, il n'a pas à le faire. Fahwa adauna kisqat. De même également pour ce qui est de la prière de al-jumu'ah, la prière du jumu'ah, la prière du vendredi. Pour la personne qui est malade, pour les femmes, ou également pour le musafir, pour le voyageur, elle n'est plus obligatoire. Donc ici, isqat, elle est annulée. La cinquième, c'est tarfif tarkhis. Tarfif tarkhis, qui est donc de l'ordre de la permission. Nous l'achis ici. À titre d'exemple, on sait que el-khamr, dans tous les cas, il est interdit. Sauf si un cas d'étouffement. La personne, par exemple, elle est en train de s'étouffer, il faut qu'automatiquement elle boit un liquide. Et si il n'y a que la présence de al-kham, c'est-à-dire il n'y a que la présence de l'alcool, alors à ce moment, il lui est permis de boire cet alcool-là. Ça, c'est tarfif tarkhis. On lui a permis une chose qui était à la base interdite. Ensuite, le sixième, tarfif jam. Tarfif ou jam, qui est de l'ordre donc du regroupement ici. Un allègement qui est de l'ordre du regroupement. Et à titre d'exemple, le fait de prier ou de regrouper les prières lorsqu'il y a la présence de la pluie ou d'autres encore parmi les causes qui sont reconnues par la législation. Donc lorsqu'il y a la prière, lorsqu'il y a parfois de la pluie qui tombe, on a le droit de réunir les prières, de réunir donc les deux prières. Pour ce qui est du Dhuhr ou l'Asr, pour ce qui est de Al-Maghrib ou l'Isha. Ensuite, le septième et l'avant-dernier, Tarfif ou Taqdim. Tarfif ou Taqdim. Taqdim qui est donc le fait de devancer, de faire précéder une chose. Ou alors non, de l'avancer, non. Le fait d'avancer une chose. Comme par exemple, lorsqu'on prie Al-Asr ma'a Dhuhr, lorsqu'on est Musafir, on va ici avancer. Al-Asr. On ne prie pas donc dans le temps du Asr. Si par exemple le Asr est à partir de 4 heures, on prie bien avant. Au moment où on rentre le Dhuhr, s'il est par exemple à 1 heure. Ça c'est Tarfif ou Taqdim. Et enfin la dernière qui est ici Tarfif Ta'khir. C'est-à-dire ici le contraire, qui est de l'ordre du retardement. Donc un allègement qui est de l'ordre du retardement. Donc on a le droit donc de retarder une chose. De même pour ce qui est de la prière du Musafir. La personne elle peut donc prier le Maghrib bien plus tard dans la nuit avec le Isha lorsqu'elle. Elle regroupe donc ces deux prières, Maghrib al-Isha, au temps, et on sait que pour al-Musafir, il a jusqu'à Qabla Tulu' al-Fajr, jusqu'à donc le lever de l'aube. De même pour ce qui est de al-Dhuhr ou al-Asr. Ça, c'est les 8 catégories de ce qu'on appelle al-Tarfif, donc l'allègement. Ensuite, une question qui va se poser, c'est lorsqu'on a dit al-Mashaqqa Tajlibu al-Taysir. Qu'est-ce que cette mashaqqa réellement? Bien entendu, la personne, lorsqu'elle entend difficulté, c'est un terme qui peut être vague pour elle. Et comment elle va donc interpréter ce terme, difficulté, mashaqqa, pour donc
pouvoir l'appliquer et pour la comprendre à travers cette règle, Al-Mashaqqa Ahlul Ilm, ils l'ont divisé en deux catégories. Ils ont divisé Al-Mashaqqa en deux catégories. La première catégorie, Mashaqqatun La Tanfak Al-Ibadatu Anha Ghaliban, c'est-à-dire une mashaqqa, une difficulté qui est inhérente à l'adoration. Qui est inhérente à l'adoration. Tout simplement, c'est une mashaqqa qu'on va retrouver et qu'on est obligé de retrouver. Une difficulté qu'on est obligé de retrouver dans l'adoration. À titre d'exemple, lorsque la personne elle fait l'eau alors qu'il fait froid et que l'eau elle est froide, à titre d'exemple, ça c'est une mashaqqa, c'est une difficulté. Taïeb, de même pour ce qui est de l'rousse. De même, lorsque la personne, durant le mois du Ramadan, et comme il va nous arriver ici, ça va être fi shiddat al-har, c'est-à-dire dans une période où il fait le plus chaud. Ça également, c'est un mashaqqa. C'est donc une difficulté. Lakin la tanfak al-ibadatu anha. Également, al-safar, fi al-hajj, parce que la personne, elle voyage pour aller au hajj, et le hajj en lui-même également, ce qu'il comprend, il y a نوع من المشقة. Il y a également des difficultés. Également à l'ijtihad fi talab al-ilm, lorsque la personne elle fait des efforts pour apprendre la religion, pour apprendre la science, qu'elle voyage, qu'elle patiente devant l'apprentissage, etc. Ça également, ça fait partie de المشقة. Al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah. Une grande مشقة également, qui est al-jihad. إقامة الحدود. Également le fait d'appliquer les sentences, c'est également une mashaqqa. C'est également une difficulté le fait d'appliquer la sentence, toutes les sentences dans l'islam. Tout ça, donc ça rentre dans نوع من المشقات. Mais la تنفك العبادة عنها غالبا. Et c'est ce que vont nommer donc beaucoup de savants également al-mashaqqatu at-tabi'iyya fi al-hudud al-'adiyya fi al-hudud al-'adiyya, c'est-à-dire une difficulté qui est naturelle et qui rentre dans les limites de l'habituel. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde maintenant al-maslaha, lorsqu'on regarde ici donc l'intérêt qu'il y a dans cette difficulté et que l'adoration ne peut être donc concrétisée que par cette difficulté, alors c'est une difficulté qui est acceptable et qui ne va pas donc rentrer ici dans cette règle-là, car elle est considérée comme naturelle, elle, et qu'elle est obligée d'être présente dans l'acte, et que c'est également à partir d'elle qu'il y aura un thawab, qu'il y aura donc la récompense qu'Allah Azza wa Jal réserve à ses croyants sincères. Et donc, hadhihi al-mashaqqa la tunafi at-taklif, c'est-à-dire hadhihi al-mashaqqa, cette difficulté, elle ne va pas à l'encontre de ce dont on est chargé, taklif, ou la tujib tarfif, et elle n'implique pas donc obligatoirement un tarfif, elle n'implique pas tarfif, elle n'implique pas donc la facilité. Donc ça rentre dans l'ordre du naturel. Ça c'est la première catégorie. Ensuite la deuxième catégorie, mashaqqatun tanfuku anha al-ibadat ghaliban, c'est-à-dire celle qui va ici dans la plupart des cas se détacher de l'adoration, qui va se séparer de l'adoration. Taïeb. Et sous cette deuxième catégorie, et celle donc qui va rentrer sous cette règle, c'est-à-dire qui va être applicable avec cette règle, et qui est al-maqsoud bi al-mashaqqa tajlibu al-taysir, donc c'est celle qui se sépare de l'adoration, dans la plupart des cas. Et elles sont principalement de deux catégories, mashaqqatun azima, c'est-à-dire une mashaqqa une difficulté qui est majeure, qui est très importante, comme al-khawf al-nufus, al-atraf, al-a'dha, la personne qui a peur pour elle-même, pour sa propre vie, la personne qui a peur pour ses membres, salamatu a'dha'i, c'est-à-dire donc pour le salut de ses membres, etc. Donc cette personne-là, lorsqu'elle devient cette difficulté, automatiquement, elle applique la règle ici. Donc comme on l'a vu, le fait que la personne elle prie et qu'elle change donc l'apparence de la prière lorsqu'elle est en présence de l'ennemi qu'elle combat, etc. Ensuite, mashaqqatun khafifa, ça c'est la deuxième, mashaqqatun khafifa, celle qui est dite donc mineure, qui est
moins importante, et qui est dans la plupart des cas al-marad, qui est donc la maladie. La maladie, bien entendu, lorsque la personne est malade, le somme n'est plus obligatoire pour elle. Également le pèlerinage, etc. Et lorsqu'on dit bien entendu mashaqqatun khafifa, comme al-marad, etc., ce qui rentre donc dans la maladie, cette maladie qui va donc rendre l'adoration difficile. Et à ce moment, il advient donc at-tarfif, il advient donc l'allègement. Ensuite, également, parmi ce qu'on va citer, c'est aqsam al-rukhas. Si on parle maintenant donc de taysir, de facilité, et si on a parlé également de rukhas, il parle de rukhsa, des permissions, il faut savoir que principalement, je dis principalement sans rentrer dans tous les détails, il y a deux catégories de rukhas. Il y a celle qui est dite obligatoire, ma yajibu fi'luhu, que l'on doit prendre. Par exemple, akl al-mayyita, il-muttar, c'est-à-dire lorsque la personne elle est dans un cas et qu'elle a peur donc de mourir, qu'elle n'a plus le choix, et que donc soit elle mange ce qui est devant elle, par exemple un animal mort, on sait que l'animal mort est interdit pour le musulman, alors à ce moment-là il est obligatoire de le manger si elle sait qu'elle va mourir au cas où elle ne mange pas cet animal. Également le fitr, liman khaf al halak, si une personne elle a peur pour sa vie, elle est en état de jeûne, elle a peur pour sa vie pour quelque raison que ce soit, du fait qu'elle est en état de jeûne et que son état est très grave, alors à ce moment-là également il est obligé, il devient obligatoire al-fitr, donc de rompre le jeûne. Et la deuxième catégorie, c'est ma yandubu fi'lu, c'est-à-dire ce qui est préférable de faire, comme par exemple al-qasr fi safar, pour ce qui est de la majorité des savants qui voient que donc al-qasr fi safar, ça reste quelque chose qui est préférable de faire, le fait donc de diminuer la prière durant le voyage. Également al-fitr liman yashqu alayhi sawm fi safar, c'est-à-dire le fait de casser ou de rompre le jeûne pour une personne qui a une difficulté lorsqu'elle voyage. Également pour beaucoup de savants, ça fait partie dans ce qui est préférable. Et également ce qui rentre dedans jawaz al-nadhar ila al-makhtuba, c'est-à-dire qu'il est préférable de regarder la femme que l'on demande un mariage. Il est préférable, donc ici il n'est pas obligatoire. Si la personne elle se marie, il n'a jamais vu de sa vie sa future mariée, son mariage il est valable. Mais il est préférable ici, c'est une rukhsa, car on sait que dans ce cas-là, cette femme elle est encore ajnabiya, elle est simplement martouba, mais elle reste encore ajnabiya, elle reste étrangère avec lui tant que l'acte ou l'aqd, c'est-à-dire donc le contrat il ne s'est pas fait, elle reste encore ajnabiya. Mais ici, la religion lui a donné une permission. Et on rentre bien ici donc sous cette règle. Elle lui a permis donc de regarder cette personne-là, celle qui est ajnabiya pour lui, mais dont il veut se marier avec elle, parmi ce qui est mustahab. Et ensuite on va rentrer à ce qu'on appelle al-furu'a, donc tout ce qui rentre sous cette règle et que le shiri nous a cité, et c'est en fait beaucoup d'exemples, des exemples qui sont très utiles. On va donc terminer sur cela inshallah wa ta'ala. Il dit le shiru min furu'iha, parmi les branches donc de cette règle, c'est-à-dire les exemples qui vont entrer dans cette règle-là. Al-afu an ad-dam al-yasir al-najas, c'est-à-dire que la religion elle fait l'impasse sur le sang qui est très léger. Il y a ni le sang, petite goutte qui est très léger, un najas qui fait bien entendu partie du sang qui est najas impur. Également al-iktifa bil-istijmar al-shar'i an al-istinja. C'est-à-dire qu'on se suffit d'utiliser les pierres pour donc se laver après ses besoins, et qui donc va remplacer ici l'istinja, le fait de se laver donc avec l'eau. Également taharatu afwa as-sibyan walau akalu an-najasa, c'est-à-dire la pureté de la bouche des enfants, et même s'ils ont mangé ce qui est impur. On sait, on l'avait déjà dit cela une fois durant un cours, ça peut peut-être paraître bizarre, mais on sait que du temps bien avant, les gens, voilà ce qu'on peut voir encore fil-badia, les gens qui vivent encore fil-badia, les enfants ils sortent donc dans la terre, au milieu peut-être si les gens ils ont des animaux, etc., et ils s'amusent avec
tout lorsqu'ils sont en bas âge. Et donc ils peuvent mettre dans leur bouche des choses qui sont najis, des choses qui sont impures. Et donc malgré cela, leur bouche reste pure. De même pour ce qui est de l'hir, de même pour ce qui est donc du chat. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, il nous a dit au sujet du chat, innaha laysat binajas, innaha min at-tawwafin 'alaykum wat-tawwafat. Donc le chat ne fait pas partie de ce qui est, donc tout ce qui englobe le chat, que ce soit donc sa bave, etc., sa bouche, etc., ce n'est pas donc considéré comme najas, ce n'est pas considéré comme impur, mais pur. Et parmi l'illa qui nous a cité le prophète sallam, innaha min at-tawwafin 'alaykum min at-tawwafat. Donc c'est ceux qui tournent autour de nous, qui sont toujours près de nous, les chats. Parmi les exemples qu'il a cité le shir, al-iktifa binabh bawl al-ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am li shahwa. C'est-à-dire que également se suffit simplement lorsque l'enfant qui ne mange pas encore la nourriture, se nourrit uniquement de lait, etc., qui ne mange pas encore la nourriture, que lorsqu'il urine, donc son urine, il suffit donc de la nettoyer simplement en pulvérisant un peu d'eau dessus. Également son vomi, il est considéré comme pur. Tout ça fait partie de ce qui rentre dans le taïsir, dans ce qui fait partie des choses qui sont faciles et qui leur étaient donc difficiles. Si tout ça aurait été considéré comme najas, qu'il aurait fallu donc nettoyer, etc. On sait par exemple que l'enfant, beaucoup, on le porte sur nous, etc., l'enfant en bas âge, et que bien souvent, il va faire ses besoins et qu'il va donc uriner. Donc si à chaque fois il faut les laver complètement, alors ça aurait été tout simplement une grande difficulté. Également, une règle ici, Asul Hil fil Atrima, illa ma ulima tahrimum. C'est-à-dire que, à l'origine, tous les aliments, ils sont permis. Sauf lorsqu'on connaît leur interdiction. Donc, la personne, si elle vient vers vous, elle vous dit, ce que tu manges, c'est interdit. Alors, votre droit de lui demander, donc, la preuve qu'il a pour cette interdiction. Pourquoi? Parce qu'elle as, c'est al hil fil Atrima. Elle as, l'origine, c'est l'autorisation pour ce qui est donc de la nourriture. Également, min furu'iha ar-ruju' ila adh-dhann idha ta'azzara wa ta'assara al-yaqin fi tathhir al-abdan wa thiyab al-awani wa ghayriha wa dukhul al-waqt. C'est-à-dire qu'on va revenir à ce qui nous paraît le plus vrai si on ne peut pas être sûr à 100%. La personne ne peut pas être sûre à 100% d'une chose, alors elle va revenir à ce qui lui paraît donc se rapprocher de al-yaqin, de ce qui est sûr, sans en être sûr à 100%. Pour ce qui est par exemple le fait si son corps il est réellement propre complètement, ou alors ses habits de même pour ce qui est d'awani, les récipients, et de même pour ce qui est de dukhul al-waqt, c'est-à-dire la personne lorsqu'il la prière, l'heure de la prière, elle rentre, etc. Si elle n'est pas sûre à 100%, alors elle revient à ce qu'on appelle la dhann. Rujur et l'abdhan. Pourquoi? Parce que sinon il y aurait une grande difficulté si la personne, elle ne peut. La yastatir, tahakkuk biyadil umur, yaqiniyan. Min furu'iya, al-mutamattia wal-qarin, qad hasala li kulli minhuma hajjun wa umra. Donc ça, al-mutamattia wal-qarin, les frères et les sœurs qui ont suivi les cours avec nous sur Bidayat al-Sharh, kitab al-Hajj, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, ils savent ce que c'est, al-mutamattia wal-qarin. Et celui donc qui va accomplir également une umrah en même temps que son hajj. Il nous dit donc que ici, la facilité qu'il y a eu, c'est que la personne elle va obtenir dans un même voyage un hajj et en même temps sa umrah. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, وَلِهَذَا وَجَبَ الْهَدْيُ الْهَدْيُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا شُكْرًا لِهَذِي النِّعْمَةِ. C'est pour ça qu'il est obligatoire que la personne elle égorge donc un mouton pour donc remercier Allah Azzawajal de cette grande ni'mah. Contrairement donc à celui qui est moufrit. Parmi les furu' également qui nous a cité le shir, hamlul aqila diya an al qatil khatan ou shibi amd. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Lianahu lam yaqsid al qatl wa huwa ma'dhur fa nasaba an tahmil anhu al aqila tahammulan la yashuq alayhim kulla ala qadri maliyati. Ala kulli hal, ici, on sait que la personne, lorsqu'elle tue, il y a donc trois catégories ici dans le fait d'avoir tué une personne. C'est soit khata, c'est-à-dire qu'elle a tué la personne avec erreur,
La personne donc, lorsque elle fait une erreur, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas tuer une personne, absolument pas. À titre d'exemple, une personne par exemple qui est en train de chasser du gibier et qui lance par exemple une flèche ou etc. et qui tue donc une personne par bil khata, ça c'est considéré donc qatl khata'an. Ou alors shibu amd, c'est-à-dire ce qui ressemble à ce qu'aurait pu faire la personne délibérément, mais qui ne rentre pas dans ce qui est délibérément, c'est-à-dire amd, ça c'est le troisième. Mais amd, bien entendu, amdan, c'est celui qui a tué délibérément, il a voulu tuer la personne, il a pris un couteau, etc., il a voulu tuer la personne, alors amdan. Par contre, shibu amd, c'est la personne, à titre d'exemple, qui s'est bagarré avec une personne, qui a par exemple pris un bâton, etc., qui l'a frappé, mais il n'a jamais voulu le tuer, c'est-à-dire simplement le frapper, mais qu'il advient donc la mort, qu'il le frappe par exemple par la tête, ou un endroit qui est très sensible et qui tue la personne. À la base, elle n'avait jamais voulu tuer la personne. Simplement, donc, pour un règlement de compte, elle a voulu se battre avec elle ou lui donner une correction, etc. Mais elle le tue. Donc, à ce moment-là, donc, c'est considéré comme shibu amd. Pour ce qui est des deux premiers cas, el khata ou shibu amd, tayeb, donc il sort d'ici la amd. Si la personne, donc c'est pour ça qu'il dit le shir, liannahu lam yaqsid el qatl, il n'a pas voulu arrêter ici tuer la personne, le meurtre, il n'a pas voulu le meurtre. Donc sous cet effet-là, ou alors sous cet aspect-là, il est wa ma'dhur, c'est-à-dire donc qu'il est excusé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la religion? Alors à ce moment-là, c'est tout ce qu'on appelle al-aqila. Al-aqila, c'est tout simplement la famille, ou alors c'est encore plus large, la tribu de la personne, ou alors la famille de la personne, ou alors ma yantasib ilayhi ar-rajul, yani l'affiliation de la personne, par exemple s'il est affilié à une tribu, etc. À la kulli hal, ici donc, bien entendu, on sait que pour ce qui est de l'khata ou shibu al-amd, il y a la dia à payer, c'est-à-dire le prix du sang qu'il faut donc payer. Et donc, lorsque la personne ou ma'dhur et qui rentre donc fil khata ou shibu al-amd, celui ou ceux qui vont s'occuper de payer la dia, donc c'est tous ces gens-là, tous ceux qui rentrent donc dans la tribu ou etc. Dans ce qu'on appelle donc al-aqila. Elle a dit donc yaqil anhu. Donc également ici c'est un taïsir que tout le monde ensuite paye suivant sa possibilité, c'est-à-dire donne une somme d'argent pour pouvoir donc ensuite payer cette dia. Donc ça également c'est un taïsir. C'est un taïsir pour cette personne qui a tué sans faire exprès. Car s'il aurait eu à payer de lui-même le prix du sang de manière complète, ça aurait été une grande difficulté pour lui. Donc dans ce cas-là, pour ce qui est de l'khata ou shibu al-amd, c'est donc ces gens-là qui s'entraident entre eux pour pouvoir payer donc cette dia. Donc voilà pour ce qui est de cette règle, qui est la troisième règle. On s'arrête ici, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on continuera donc avec la quatrième règle. Bi'ibnillah ta'ala. Subhanaka wa bihamdika. Shadwan la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.